Allez, R5 sur le circuit du MVHS. Ouais. Donc circuit qui est fait quand même pour le 5e. On laisse pas celui-là. Simon. Ouais, c'est le pignon moteur qui a dû. Ouais. Pas grave ça. Tu la laisses là. Elle fait juste des petits plans avant que je monte. Simon, sérieusement, tu ne vas pas sur le circuit. S'il te plaît. Tu restes sur l'herbe. Oula. Il y a une sorte de tige qui s'est barrée. Quoi? Sérieux? Non, non. Je vois pas ce qu'il y a là-dessus en fait. Non, Simon! Je suis sérieux, là c'est hyper dangereux. Donc tu ne vas pas sur la piste. Là, si je te... La voiture elle fait 15 kg, si je te dégomme, t'as plus de jambes. Non mais là je suis vraiment sérieux Simon. Oui, oui, c'est l'engrenage, c'est rien du tout ça. Voilà, on prend les bonnes habitudes. C'est bien parce que la 8e, tu restes pas planté celle-là. Oh, qu'est-ce que c'est bien piloté. C'est... Oh, je peux pas dire que c'est quasiment un 8e. Mais t'as de la sérénité. Comment je suis pas serein, c'est avec mon gosse. Allez, on va attendre 3 minutes. Allez. Ah, j'ai arrêté 5 minutes, c'est fou comme les pneus, ils ont... ils froidissent. J'ai doucement, hein. Non, bah écoute, pneu 24, je suis là. Même pour le MVHS et mon niveau, ça me suffit largement. Bon, c'est dommage vu qu'ils ont mis des... On ne pourra plus faire des ovales. Ça, c'est bien.
Ouais, pour la ligne droite ici, il manque peut-être une ou deux dents, mais après tu perds tout en autonomie non plus. Encore une fois, 70, ça me va bien. Ouais, j'ai pas un 32 cc, j'ai pas de 3 bottes de vitesse, c'est sûr, ça peut leur mettre plus loin. Ouais, ça plafonne un peu. Mais pour le réalisme, pour le pneu, pour le confort du pilotage. Hop là, j'aime bien. Donc là, on est en soft les 4. Soft les 4. C'est quand même 3 degrés. On n'est pas non plus 1, comme on dit. Ouais, maintenant je vais un peu me rapprocher, effectivement. Du jeu partagé et partager la vue de là-haut, c'est bien pour pilote, mais c'est pas forcément bien. Efficace la voiture, c'est dingue. Effectivement, je pense qu'on va devoir mettre un pneu un peu plus dur sur le côté. Ici, on bouffe les droits. Non, oui, c'est ça, les droits. Non, et franchement, on peut attaquer. Là, j'attaque pas trop parce que c'est voilà, tranquillou. Hein, c'est le premier test sur le circuit. On essaie d'y aller joujou, on essaie de ne pas la casser. Tu vois, genre, si vite quoi en fait. Ah. Voilà, une fois que t'as les mini pieds dedans, faut rechauffer là. Nico, concentre-toi. C'est vrai que le freinage de Fire est pas forcément des plus optimales. Il faut vraiment jouer avec la radio, les réglages de la radio. Comme dit là, on essaye de pas aller trop. Pas non plus de faire n'importe quoi la bagnole, mais ça donne envie.
Non, c'est vraiment... Enfin... Alors, ça demande juste d'être hyper mesuré dans tous les gaz. D'être un peu plus... Voilà. Un peu... Mais franchement, ça se conduit comme une américaine. C'est... Ça va juste un chou, moi, ça va vraiment vite, je te jure. Oula. Là, la voiture qui tue qui arrive. À part prendre une carte radio, prendre une... le mur dans la face, ou avoir un mauvais pilote comme moi. La voiture, elle est rivée au sol. Tu sors, elle a tellement d'emplacement, une carte au sol en fait. Elle bute pas, ou elle prend pas la mode de terre comme les 1/8e où elle bute et peut faire des loupés. Là, elle passe dessus tranquille. Youh ! Voilà, c'est dans des conditions comme ça où elle arrive de côté. Tu vois, je le prendrai une fois qu'on fasse. Mais maintenant, on ne peut plus parce qu'ici, il n'y a plus le droit de thermique. Voilà, c'est ce que je dis. Mais tu vois, je serais curieux. Alors, je pense qu'en ligne de pointe, là, au bout de la ligne de la grande ligne droite, l'essence me reprend. Par contre, à l'accélération, je pense que je prends ce fer. Ah, coupure! Ouais, donc j'ai mis les coupures très hautes, à 3,8 pour être tranquille avec mes lipos. Alors. Au niveau de temps, je sais pas parce que j'ai haché, mais bon, voilà. Donc là, il faut savoir que, grosso modo, je suis à 3,8 de coupure, donc il reste encore 30% de batterie. J'ai pas encore changé, là je pense que je vais le laisser descendre un peu à 3-4 pour un peu profiter encore. Alors voilà, tout va bien. Le moteur, je mets la main dessus. Les pneus sont... Ils sont tout juste chauds. Il n'y a rien qui chauffe. Les batteries, je crois qu'elles sont encore en train de rigoler. Les frises, tout ça, tout est gelé, les amis. Voilà. Bon, et eh ben super, maintenant on va mettre le piton de pyro. Allez, à plus.